Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Terranil. Un épisode de violence encore, comme tant réclamé. Non, je plaisante. Nouveau biome, hein, on part sur quelque chose de tropical. Quelque chose pour le coup que je ne connais pas du tout. Vous sentez qu'on va encore passer 3 heures là-dedans? Allez, let's go. Génération de la carte. C'est parti. Ah, quel plaisir ce jeu. Alors j'espère bien évidemment que vous êtes posé, parce qu'il faut être posé. C'est parti. Tropical, reconstruire un écosystème insulaire représente un défi unique. La restauration de la vie marine sera votre priorité numéro 1. Pour y parvenir, vous aurez besoin d'épurateurs pour nettoyer l'eau de mer. Étant donné que les cours d'eau sont moins nombreux sur les îles, vous devrez créer un réseau de monorails. Vous devez commencer par nettoyer l'océan environnant et y réintroduire de la vie végétale. Les épurateurs sont indispensables à ce processus car ils nettoient à la fois la terre et la mer. Les zones de végétation et d'océan propre contribuent à vous rapprocher de votre objectif. Dans ce type de région, il est possible de manipuler le climat dès le début. Alors, on recommence donc, direct. Nos 1000 points. Ah oui, d'accord, donc on a déjà une présence d'eau. Nécessite 3 éoliennes supplémentaires. Ok, faut poser 3 éoliennes. Si d'atteindre le niveau 2, d'accord, on a tout de suite un l'humidificateur, enfin l'évaporateur, je crois, c'est ça. Ensemenceur de nuages, excusez-moi. Plutôt ici et là. Est-ce que j'en pose tout de suite un troisième? Je sais pas, déconne. Et donc là, on a débloqué minéralisateur. Cristallise le sel de l'eau de mer pour créer de la roche. Intéressant, intéressant, intéressant. Ok, en faisant ça, je vais pouvoir aller poser des éoliennes supplémentaires. D'accord. Plus zéro. Mais c'est pas grave, on va aller le chercher quand même. Coup nul. Moins 49. Pourquoi moins 49 alors que ici zéro? Étrange, étrange, étrange. Ok, ok, ça clarifie aussi l'eau, visiblement. Peut-être plus comme ça. Et plus comme ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. J'ai presque envie de dire allons taper au milieu, mais est-ce que produire un petit peu d'eau douce là, genre vite fait, ça me paraît pas déconnant. Alors si on veut attendre lui là-bas, il faut que là ça passe. Là déjà ça passe plus. Là ça passe. Okay. Ok, ok. Oh, petite cascade. Ok. Bon. Ah oui, on peut pas. Ok, on peut pas fabriquer de roche. À part dans les océans. Donc, ok, donc là je vais pas pouvoir poser des.
vais pas pouvoir aller poser des éoliennes. Il faudra que je passe obligatoirement par des minéralisateurs ou je sais pas quoi là. Obligatoirement. Ok, on gagne déjà du plus juste en allant nettoyer okay, l'eau de mer. Et typiquement, si je vais poser ça, je pense genre ici. Bon, je fais pas une grosse zone, c'est pas nécessaire. Voilà. Là, je fais du plus parce qu'en fait, je nettoie de l'eau. Okay. Purifie de l'eau de mer. Oui, ça m'intéresse. C'est parti. D'accord, il faut vraiment nettoyer 250 cases d'eau. C'est même, j'ai envie de dire, plus important que tout le reste. Et là, ok, c'est moins 24 parce que vraiment, on nettoie rien. Plus, ouais. Mais si je rajoute de l'herbe. On va aller chercher. On va chercher un petit peu d'optimisation sur ce coup-là. Ok, j'aimerais voir si ça. Si ça joue sur mon ensemenceur. Ah ouais, ça réduit mon taux d'humidité, ok. Et on peut aller chercher un 10%, on va aller le chercher maintenant. C'est. Qu'est-ce que ça va nous débloquer à 25%, pourtant je devrais déjà avoir du lierre. Ah mais parce qu'il y a la température aussi. Inférieure à 15 degrés, tac 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 tac. Bah, on est inférieur, normalement le lierre ça devrait être bon. Hein. Ok. Ah oui non. Ouais. D'accord, faut qu'on aille chercher plus d'humidité. Ok. Ok. Alors qu'on ait cherché plus d'humidité, ça c'est sûr. D'accord. Chercher comme ça. Tac, tac, tac. Cent quinze, on n'aura pas mieux, je crois. Ah, 116. Allez. On est pas mal. Maintenant, il va falloir chercher. Tac. Ça et ça. Comme ça, je pose lui ici. Et lui par là. Voilà. Donc là, déjà, il vient de se passer des choses. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bac de sable. Crée une petite île sur laquelle des structures peuvent être construites. Ok. J'en vois pas. Pas l'utilité. J'en vois pas spécialement d'utilité, mais peut-être qu'on verra ça.
Vraiment aller chercher les choses au plus loin. Poète, est-ce que c'est vraiment bien utile? Je ne sais pas, mais let's go. On prend un maximum de terre. Tac. Même si ça a l'air plutôt de se jouer autour de l'eau, cette histoire-là. On prend. Ok, on a fini un nouveau palier. L'étape suivante consiste à augmenter la biodiversité, recréer des plages, des mangroves et des forêts tropicales humides. Vous pouvez également utiliser votre réseau de monorail pour acheminer des polypes de corail dans l'océan. Mignon, mais je crois qu'on n'y est pas encore, moi, de mon côté, si. 3 brûleurs supplémentaires. Oulololo. Mauvais bail. Oulolo, mauvais bail. Des brûleurs. Foutre le feu à la forêt. Un classique. Un classique. J'aurais bien d'augmenter mon taux d'humidité. Ouais, plus 15%, là. Là, c'est efficace, hein, ici. Hein. Wow. Ouais, plus 15%, juste voir un peu, hein. Ok, on va avoir des mousses. On va avoir de la mousse donc sur les rives et des mousses sous les surfaces. Sur les roches, sur les rocheuses, d'accord. On va quand même tester d'autres choses, genre le bac à sable, je vois pas trop à quoi il sert, mais... À moins que ce soit pour aller chercher... Ah c'est pas déconnant, peut-être que ce soit pour aller chercher... Ah, attendez, il y a peut-être des petites choses que moi je peux aller chercher là. Que ce soit ici là. Il vaut mieux que j'en remette un par ici. Ok. Par là, 11. Ouais, on va aller le chercher ici. Hein. Allez, ok, c'est pas mal. Est-ce que je peux en poser un ici pour le fun? Alors, oui, mais en fait, j'ai envie de dire pourquoi faire. Alors, on peut aller se poser ça ici, ça comme ça. J'aurais pas le bordure de...
Allez, 27. Ok. J'avais de l'ensemenceur de nuages ici pour augmenter mon gros. 8, 9, 11%, c'est sérieux ça. 11%, c'est intéressant. Très sérieux ça. Floraison des nénuphars. Let's go. On est à 80%. Il n'y a rien qui me demande plus de 90. Pour avoir des orages, il me faudrait 99, mais alors beaucoup de chaleur. Et pour l'instant, la chaleur, on peut pas trop jouer dessus. On peut voir si on peut encore augmenter un peu notre hygrométrie. 9%. 6, c'est ridicule. 10, c'est raisonnable. 19%, c'est sérieux. Oui. 11%, 10, 10, 10, 11, 11 c'est sérieux aussi. De toute façon, on est déjà au max. Attends, ramène-le en arrière, j'en ai pas besoin de plus. On est au max. L'énorme briquet. 3 brûleurs. Il faudrait poser 3 brûleurs. Mais avant de poser 3 brûleurs, est-ce qu'on n'aménagerait pas. Ouais, moi je suis chaud là. Je suis chaud pour ça. Ah, avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il est possible d'obtenir là une petite. Ah. Ah, mais il y a aussi à côté. De toute façon, à côté, il va falloir en poser un. Hein. Ok. 37. 36, 37. Bon, 37, allez. Voilà. Et là, boum. Donc là, qu'est-ce qu'on a débloqué? Un salinisateur. Augmente la salinité de la zone environnante, ce qui permet le développement de mangrove. D'accord. Ça a l'air parfaitement sérieux. Mais il faut de la température. Et la température actuelle est beaucoup trop basse. D'accord. J'ai toujours pas fait mon petit paquet de sable, hein. Je sais pas, je vais faire mon petit paquet de sable ici. Ah! Petit paquet de sable. Est-ce que tu es vraiment un petit paquet de sable? Je ne pense pas. Je pense que tu es un épurateur géant. Qui ne le dit pas. Voilà ce que tu es. Petit monticule de sable. Eh bien écoute, va pour un autre bac à sable ici. Ah. Alors attends, par rapport à toi, sa portée, je vois pas la portée du. Je peux voir sa portée. Comment je pourrais la voir? Comment je pourrais la voir? Qu'est-ce qui me permettrait de. Il y a rien qui me permettrait de. Je vais juste essayer de le positionner un peu plus loin. Et on va voir si c'est du coup posable. Je suis trop loin, je crois. Trop loin. Donc on va le poser comme ça. Voilà. Ok. Bon. C'est compris. Ça, c'est vu, c'est compris. Pas de problème. Récif corallien 0, 0. On est mauvais partout. Hein. Mangrove 38%. Ah, ici, ça fait de la mangrove, c'est ça? Ok. Pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Si je vais te poser toi ici, comme ça je vais pouvoir faire un autre mangrove. Vite fait à la cool. Juste ici, voilà, c'est joli. Ça rend bien. C'est esthétique. Ça, c'est pas posable parce qu'on n'a pas ce qu'il faut en termes de température. J'ai exploité ici tout ce que j'ai pu exploiter. Je pense qu'il est peut-être temps de mettre un petit coup de briquet. Petit coup de briquet. On est obligé de le poser sur un rocher. L'idée,
Ici, ça n'a pas d'intérêt. Ça en aurait un ici. On va vite faire. Hein. Non, là où ça a de l'intérêt, je pense, c'est ici. Voilà. 19 degrés. C'est sérieux. Voilà. On a pris quelques degrés de plus. 3 degrés. 3 degrés, c'est un peu léger. Est-ce qu'on peut aller chercher? Voilà, un petit plus 7. Sérieux aussi. Et comme ça, j'en aurais construit 3. C'est parfait. Ça fait que j'ai débloqué un autre élément. Boum! Qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah, deux choses, deux choses. Oh, d'accord. Le Liratium. Ah, c'est pour faire des plages. Capte le sable pour former des plages et des dunes. Doit être construit sur un épurateur. On pourra faire des petites plages, coquillages et crustacés par ici. C'est vraiment ça l'idée? Oh, vas-y, fais-moi une plage de dingue. Et alors, du coup, je peux mettre ça dessus quand même? Ah, si, ça fait plus ça. Oh, voilà, on se fait un petit mix, on se fait un petit mix. Voilà. On se fait un feed, comme on dit, dans le milieu. Plus 2, ouais, ouais, ça peut être moins 35. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, moins 20. Plus 0. Bilan nul. Let's go. Moins 50 pour moins 50. Rentable. Ah, ici. Ici, c'est d'accord. Et ici, ça serait du moins 11. Le salinisateur, donc, pour faire des mangroves. On peut le poser à peu près où on veut, là. C'est ça, le projet. Ok, non, faut le poser, dans l'eau. D'accord. 55, 62, 78, 80. Beaucoup. 80. Un petit swag. Les mangroves, c'est ok, on est à 110%, on peut se calmer. Plage, il nous en faudrait encore un petit peu. Petit peu. Là, on a une petite plage à plus 2, là. Plage à plus 2. Moins 29. On va pas être très riche en plage. J'ai un peu tout cassé, je crois, pour pouvoir faire de la plage. Oh, vas-y, ici, j'ai envie. Hein. Je le fais ici, j'ai envie. Voilà. Boum. Il y a un petit swag. Il y a un petit swag sympatoche. On peut aller se regratter une belle plage quelque part. On va la ramener par ici. Moins 12. Moins 12. Moins 25. Bon, allez, on va se prendre un moins 12. On se fait une petite zone comme ça. Semi-mangrove, semi-autre chose. Nœud de monorail. Les nœuds à proximité les uns des autres se connectent entre eux pour former un réseau de monorails qui permet de déplacer des structures. J'en vois pas l'utilité pour l'instant. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est... Il va falloir du récif corallien. Je suis à zéro, j'ai rien pour en fabriquer, visiblement. Des mâts de voile d'ombrage. Disposés en triangle, ces mâts forment des zones ombragées où la forêt tropicale peut se développer. Doit être construit sur le côté d'une falaise. Ah bah ça, ça on va prendre tout le centre, hein, je crois. Hein. Voilà, ceci est un mât. Ceci est un autre, mât. Et on peut le tirer jusqu'où, là? Comme ça. Ah, ouh, ah, intéressant. Moins 3, mais c'est pas grave, hein, je le prends quand même. Moins 3, je le prends quand même. Comment je régénère ces sols-là, par contre? Ça m'aurait énormément intéressé. Ok, annule le précédent. En fait, maintenant que j'ai brûlé, il faudrait que je... C'est pour ça qu'au début, il nous intéressait à la question de... Je vais pas trouver mes mots parce que je suis en train de réfléchir à comment je pose mon truc. Excusez-moi, je pose mon truc. Je pose mes trucs, n'importe comment. Je fais n'importe quoi, mais on s'en fiche. L'idée est là. Il n'y a jamais que l'idée est là. Pourquoi lui, cet irrigateur, il veut pas? Ah, parce que c'était un qui était déjà là. Et j'ai posé ça n'importe comment? Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, on va l'annuler, puisque c'est le dernier. Et je vais essayer de l'opter un tout petit peu, voilà, pour aller chercher là-bas, vite fait. Une case ou deux, je crois. Une case. J'ai optimisé à une case, voilà.
Très bien. On va donc replacer un poteau. Subitement, le poteau est tout de suite beaucoup plus intéressant. Là, regarde un petit plus 30 là, boum. Ok, plus 4, plus 9, plus 16. Mais ouais, celui qui va nous gaver le plus, ce que j'allais dire, ça va être celui-là. Ok. Ah mais ça voudrait dire qu'on pourrait aussi faire des jungles, voilà, par-dessus cette zone-là. Ah ouais, attends, ça m'intéresse de faire ça. Juste pour le fun, hein. Ne serait-ce que pour le fun, hein. C'est que du fun et rien d'autre. Et ça me régale de me dire que j'en ai mis en bas alors qu'on pourrait tout simplement faire les hauteurs pour se faciliter la vie, hein. Ah ouais, mais on ne sait pas que faciliter la vie, hein. On a construit quelque chose qui finit par être extrêmement rentable. On a ajouté des palmiers, on a ajouté de la chaleur. Ok, ok, ça commence à pousser tout seul là. C'est beau, c'est pas mal. On a tout couvert, on est juste nul en récif corallien. Mais pourquoi? Nécessite de capacité. À mon avis, il faut que je pose d'abord le monorail pour pouvoir discuter de la suite. Voilà, je vais poser un poteau. Déplace une structure à portée de ce nœud de monorail jusqu'à ce qu'elle soit à portée et de tout autre nœud connecté. D'accord. Je sais pas, si tu veux. Mais je vois pas à quoi ça sert. Utiliser la capacité nœud de monorail une fois. Vas-y. Ça, c'est une cible valide, c'est bon? Placez-la à portée du nœud de monorail connecté. De quoi il me parle, le monsieur? De quoi? Pourquoi vous faites ça, monsieur? Je comprends pas ce que vous dites. Ah oui, mais il me faut un autre nœud. D'accord. Il me faut un autre nœud. Je vois pas trop l'intérêt de cette histoire, mais ok, admettons. Alors, attends. Je vais, dans ces cas-là, essayer de faire quelque chose d'intéressant, à la limite, pour notre test. Ouais, c'est ça. Je vais faire... un caillou, ici. Ah, ça ferme tout. Non, c'est chiant. Voilà. Comme ça. Est-ce que, par exemple, je peux poser un nœud, comme il m'a dit le monsieur, genre ici. J'utilise la capacité de ce nœud-là. Cible valide. Et je pourrais le déplacer, genre, là, c'est ça? Je vois pas trop comment ça marche, leur histoire. Ça marche pas parce que peut-être que j'ai pas de... Faudrait construire des pylônes plus proches les uns des autres. Ça m'obligerait à faire des salarisateurs comme ça, là, des bestioles comme ça. Admettons, je tente des trucs, hein. Heureusement que j'ai un petit peu... Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ok. D'accord. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déplacer ça de là. Là, c'est la portée du nœud de monorail de connexion. Ok, il a fait spam cliquer un peu pour déplacer un truc, mais bon, visiblement, j'ai déplacé un truc. Maintenant, quelle en est l'utilité? Je ne sais pas. Mais d'accord. C'est noté. C'est noté. Qu'est-ce que c'est? Laboratoire de coraculture. Cultive des polypes de coraux pouvant être réintroduits dans un océan propre à l'aide d'un monorail. Doit être construit sur un irrigateur. C'est joli. Ok. Donc là... Irrigateur. J'ai ça, moi. Un irrigateur. Un irrigateur. Ah, irrigateur. D'accord, oui. Ok, soit. Ok, je visualise.
Pouette. Il faut que ça construise à portée de monorail. Ça va me rendre cinglé, ça je connais ça. C'est-à-dire que là, je suis obligé d'aller poser des monorails un peu partout. Comme ça. Ça va me coûter une fortune ce truc. Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Ça veut également dire que si je vais en mettre un là, je suis déjà trop loin. Non, mais c'est une blague. J'aime pas très beaucoup ton humour, le jeu. Je connais des instants plus fans. Et là, c'est moins le cas. Je suis déjà trop loin. Hein. Et là, par exemple, si je veux faire un corallien, sur lui, je peux. Mais je vois pas l'intérêt. Parce que du coup, il est un peu au milieu de nulle part. Rembourse-le. Il a pas d'impact du coup si je le mets là. Si je le mets là, il peut en avoir un. Ah, ou alors c'est parce que ça va se déplacer tout seul, comme un grand, le long du monorail. C'est magnifique. Mais pourquoi j'ai le sens que j'y crois moyen. Je vais essayer d'aller le poser là. Je vais essayer d'aller le poser. D'aller poser un truc ici là. Pouette. Putain, il faut en faire de la caillasse, hein. Et re une caillasse parce que là, le pylône n'ira pas jusque là. C'est à peu près ça. Donc faut que je refasse une caillasse. Une caillasse genre ici. Eh ben, moi qui cherchais à économiser le nombre de caillasses que je posais, hein, c'est un bel échec. Hein. Wouah, le... Monorail, je suis pas sûr. Regarde-moi cette station d'aiguillage. Le jeu, il est mal. Hein. Le jeu, il est mal. Je lui ai demandé des choses, il m'a dit non. Arrête. Arrêtez, monsieur. Je peux en vendre celui-là? Non, on peut pas. Bon, d'accord. Tac. Maintenant, c'est cool, j'ai fait ça, et alors? Ah, ok, et à partir de là, je vais planter des jolies petites graines dans l'océan, ok. Alors, 15, 16, 17, ok, des tas de choses, quoi. 16, 18, ah, j'ai eu un 18 carrément, 19... C'est marrant, celui-là, c'est recouvert de mousse, de lierre. C'est très drôle. Ok, d'accord. Je commence à avoir une idée du truc. Alors, c'est juste une idée. Hein. C'est juste une illusion, à peine une sensation. Au pire, un doigt dans le... Bref, vous avez compris l'idée. Donc, ça veut dire que je peux aller poser ça ici. Et effectivement... utiliser la compétence de ce truc là pour aller... Ou alors c'est directement lui. Attends. Voilà, et à partir de là, boum, je peux le planter 28, 27. Bon, ça n'a pas l'air d'être la zone la plus rentable du monde. On va aller chercher tout de suite, voilà, une zone qui est sympa. Hein, 66, 67, 71. Oh là là, c'est bon ça, 71, j'aime bien l'idée. Ok, il faut que ce soit planté le plus profond possible, quoi. Enfin, proche des zones les plus profondes possibles. D'accord. D'accord. Maintenant, je prends mon turbopylône. Oh non. Oh non. Oh. Vas-y, on va refaire des blocs de sel, là. Ouais, bah, je suis obligé de le mettre là, parce qu'il me faut un pylône le plus proche possible. Genre ici. Ah, je peux le mettre Zola. Oh, je vais pouvoir rentrer dans les terres. Allez, let's go. Ok, ok. Je sais pas si c'est bien utile. Je sais pas si on va pouvoir aller loin comme ça. Le jeu a pas l'air convaincu. Ça dépend. Est-ce que je peux aller faire un bloc de sel au milieu de tout ça? Non, je ne peux pas. Bon, bah voilà.
Le problème étant réglé. Attends. Je pouvais pas faire un bloc de sel. Se le faire ici, mon bloc de sel. Pas convaincu. Pas convaincu du tout. Tout du tout. Bref, quoi qu'il en soit, je peux te prendre toi, prendre cette cible-là qui du coup est devenue valide. 38, 49, 60, 65, 66. 66, 66. Est-ce qu'on a mieux que du 66? J'ai pas l'impression. Ce sera donc 66. Ok, bon. Voilà. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt pas mal en matière, en points disponibles. Là, il faudrait que j'arrive vraiment à le ramener de l'autre côté. Et là, je pense que c'est là où ça va commencer à nous coûter bonbon, pour rester poli. Et ouais. C'est là que ça va commencer les problèmes. Est-ce que ça marche? Genre si je le mets ici... Je prends un pylône, je le mets là... Ouais, c'est bon, ça passe. Ah bah j'avais deux pylônes. Bon bah, tant pis. Multiplicateur de pylônes avant tout. On est un à poser là, ok. Donc un épurateur juste ici. Et on va se mettre un pylône. C'est un peu moins esthétique que l'autre, hein. Pylône suivant, je peux aller le mettre là-bas. Rien qui permet de traverser. Ouais, j'en mets un ici, ça me fait plaisir. Ok, donc il va falloir. Ouais, bah ici, hein, y a pas trop de choix. Y a pas 50 choix. Oh, purée, ils ont pas mis les deux dans le même onglet, quel plaisir. Hein. Voilà. Donc là, on emprunte. Ah ouais, on peut même pas atteindre cette zone-là, au secours. Il faut que je remette un... Et je vais en remettre un, parce que je voudrais pouvoir avoir une marge d'implantation. Qu'elle est bien, qu'elle est bonne, que vous avez vu, quoi. Voilà, vas-y, attire-moi ça dans tous les sens, régale-toi. Lui, c'est bon, on peut le ramasser. C'est même pas dit. C'est même pas dit. C'est pas dit du tout. C'est mort. Ah, c'est peut-être pas mort. Utilise la capacité du pylône pour ramasser cette cible. Excellent. La cible est acceptable. 62, j'ai vu un 62 une fois. 70 deux fois. 60... Oh, 77 j'ai vu. 79, 79. Ah, ça prend tout, ça prend vraiment physiquement le monorail, c'est ça? Ah oui. Ce monorail. C'était dans la définition, il y a mono. Hein. Mais il y a surtout rail. On est très fan du rail ici. Bah voilà, c'est plié. Le monorail est ainsi utile à la phase de recyclage, alors pensez à y relier votre aéronef, réintroduisez des animaux marins et terrestres pour qu'ils aident au maintien de l'équilibre de l'écosystème après votre départ. D'accord. Oh, il y a des trucs. Hein. Je vais poser ça. Très joli. Du plus bel effet. Alors, est-ce que déjà il y a des choses qu'on peut voir? Cette bestiole. Recherche. Sur une île. Ah, une île. Une île. Bah voilà. Les tortues. Cette bestiole. Par là. Non, il n'y a rien pour elle. Elle m'a juste dit, tu t'es trompé de jeu. Ah. Ici. Rien non plus. Cette créature... Ah mais c'est une créature marine. La forme atypique vit dans l'océan, près des estuaires, des rivières et des récifs coralliens. Ici? 2 sur 3.
Ah, il faut peut-être une faune locale à voir, ou alors ce que je peux lui proposer, je sais pas, je suis pas convaincu. Ouais, on va retrouver les mêmes choses. En fait, ce qui va lui manquer là, c'est la rivière, c'est ça? Ça va être la rivière. Ça, c'est quoi? Station de recyclage. Ah oui, okay. Station de recyclage, la base. Et en plus, j'ai rien pour forer, pour créer des rivières. Disons animaux suivants, admettons, ça c'est un roquet. Qu'est-ce qu'il faut? Aucune structure à proximité. Ah, il lui faut rien. Quoi, sinon tu te fais. Sinon tu commences à dire Coco il veut un gâteau, ça se passe comment? Il y a encore des structures à proxy? Alors que je commence à démonter la maison. D'accord. Cet échassier fouille le sable des plages et la boue des zones humides à la recherche de nourriture. Est-ce que quelque chose comme ça te plairait bien? Pas mal l'air, hein. Un quinquin. Ce prédateur aquatique vit à la fois dans les zones de coraux denses et dans les eaux des mangroves. Parfait, il est content. Ce grand mammifère pélagique nage dans les eaux profondes de l'océan, loin de la Terre. Là. J'ai pas plus loin. Amuse-toi bien, mon grand. D'ailleurs, juste pour toi. Non. Ouais, je vais pas me rajouter des structures. Faut me rajouter des structures. Bon! Qu'est-ce qui nous manque? Les deux relous. Cette créature marine à la fois atypique vit dans l'océan, près des estuaires, des rivières et des récifs coralliens. J'ai une rivière ici. Tout est validé. La Remanta, elle est contente. Très bien. Le coco, il veut un gâteau. Tu nous gonfles, hein. Coco, tu nous gonfles. Qu'est-ce que ça finalement? Alors déjà je peux pas le placer parce que je crois que j'ai pas placé. Il faut que je m'appareille. Il faut que je m'appareille. Est-ce qu'il y a encore un endroit où on peut accéder dans ces conneries? Non. Il n'y a plus de place nulle part. Ah si, si on avait une place ici. Hein. La place est chère. Hein. Le piou. Pour ramasser des trucs. Ah, il faut que je le place juste à côté. Ah oui, c'est le. Ok, c'est le poteau final de ramassage. Ok. Alors attends, parce que du coup, il y a des choses qui m'intéressent. Balise de recyclage. Une fois placée sur un nœud de monorail, elle envoie un signal ok pour tout ramasser. C'est le panier. Et ça, c'est déplace un rocher à un endroit d'un endroit à un autre. Oui, bah étant donné la lourdeur du truc, tu m'étonnes, c'est presque dommage que j'ai que seulement mon lanceur de cailloux maintenant. Mais ce que je voudrais, c'est plutôt des balises de monorail. C'est continuer à faire ce tour de l'île incroyable. Incroyable tour de l'île, bien sûr. Ça dépend si tu peux me ramasser ça. Ça m'arrangerait bien. Non, tu peux pas ramasser celui-là, ça m'arrange pas. Cible invalide. Je peux pas le tirer dans ce sens-là. Ah, il faut que je me mette là, ok. Bon. Ouais, grosse culture. Hein. C'est une autre culture. C'est une autre culture. Ok, on couvre pas mal. Qu'est-ce qu'on couvre pas, à la limite Cette zone n'est pas bien couverte. Bah à la limite, ce qu'on peut faire, c'est déjà nettoyer et voir ce qui reste à la fin. On est comment? Chaleur, chaleur, on peut pousser encore ou pas? Des libellules si on dépasse les 40 degrés. Des orages si on dépasse donc les 35 degrés, on aura des orages. Ouais, s'il faut faire une petite flamèche, hein, on peut t'arranger ça, ma gueule. Hein. Moi, je veux bien t'arranger. Maintenant, faut juste que tu me dises où est-ce que je te mets ton petit coup de briquet, là.
Est-ce que je te mets un petit coup de briquet? Ici, là, on prend 4 degrés si on fait ça. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 12. 4 degrés, c'est pas très sérieux, mais on prend quand même. Voilà, on a 34. Moi, je pense qu'on peut encore aller chercher quelques degrés, là. 1 degré. 1 degré, on a de l'orage. Voilà. Moi, ils m'ont dit 1 degré, on a de l'orage. Je fais OK. Let's go. Et là, ce qu'il faudrait qu'on aille chercher, c'est les 40 degrés. Mais je peux pas, parce qu'il me faut de la... Il me faut de la caillasse. Tu veux pas me poser une caillasse, là, à côté de ça, hein? Attends, on est obligé de fabriquer de la caillasse, quoi, vraiment. La tristesse. Oui, non, c'est par là. Pourquoi je peux pas? Pourquoi il y a des endroits où je peux? Ah ben, parce qu'il faut de l'électricité, mon gars. Oui, mon champion. Parce que ça brûle et la forêt, et les plantes. Hein. On va passer à 6 degrés. On prend 6 d'un coup. Ah. J'ai les garmin, j'aurais peut-être mieux fait de le placer là-haut. Roll back. En fait, peut-être plus par là, voilà. 7 degrés ici. On prend. On est à 42. Tout est bon. On a tout débloqué. En termes de... On a peut-être même clean un peu de zone pour pouvoir poser du monorail. En termes de climatologie Rixme. On est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut tirer un caillou Non, c'est pas ça. C'est tirer un caillou. C'est lui qu'il me faut. Ouais. Pan. Bien vu, ma gueule. Et là, il me faut ici un pylône. Ok. Pour l'instant, on peut pas en faire plus. Alors, si je pourrais continuer à faire des tours du monde, là... Tours du monde débile. On pourrait même se tirer un caillou. As-tu vu, ma belle queue? Voilà, tire-moi un caillou. Pompe. Voilà. Et on peut se poser en monorail dessus. Voilà. En ce qui concerne cet endroit... On va pas se poser de questions. En ce qui concerne cet endroit, on va faire ça très bêtement. Ce qui m'embête surtout, c'est que ça commence à me coûter cette histoire en fait. Hein. S'ils sont placés comme ça, ils se captent. Oui, ils se captent. Formidable. Ouais, ça se capte. Joli, joli. Joli. Est-ce qu'à la limite on peut tirer un caillou? Non, on peut pas. Est-ce que à la limite ici on peut envoyer un caillasse? On peut l'envoyer que là. Bah on voit le quand même. Ça m'en fera un peu dans les terres. Ça me va. Et ce qui fait que il suffit que je fabrique quelques pierres sur la côte. Et normalement, petit pylône. Et on a fait un tour de carte. Ok. Il y a une couverture réseau. Je sais pas si on est bien pour les espèces locales, mais on a une couverture réseau. Hein. Ça, c'est sûr. Le perroquet... Oui, il nous manque un gars qui veut pas... voilà. Hein, il veut... Hein, foutez-moi la paix, il veut, visiblement. On va expliquer au petit pigeon que ça va pas être possible tout de suite, hein. Donc on peut ramasser tout ça. Je sais pas si ça prend les poteaux avec. Y a pas un truc qui est censé se déplacer, me ramasser tout ça. Ah si, il est là. Il a fait le grand tour. Ce qui va nous amener à des petits problèmes techniques. Hein. Okay. Donc
Donc là, il va nous falloir des pylônes, parce qu'il va vraiment falloir aller chercher dans les terres tous les trucs possibles et imaginables. Ok. Ah ouais, c'est assez infernal, hein. Ça va être technique, mon histoire. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore une fois, ça nous libère des pierres. Puis l'avantage, c'est qu'on peut poser le canon, qu'il y ait de l'électricité ou pas. C'est bon, il le fait, quoi. Ok. Oh, cette petite pluie qui nous ramène... qui nous remet bien. Est-ce que j'ai ce qu'il faut maintenant pour faire pipop papemula des roquets? Nice. Abondance luxuriante, succès déverrouillé. Voilà. On a toutes les bestioles. Alors on pourrait jouer en plus rapide, mais j'avoue, je vois même pas l'utilité de jouer en plus rapide dans ce jeu. Je vois pas l'utilité de faire du speedrun, en fait. Il y en a peut-être, hein, mais... Je sais pas, pour l'instant, je... Pour l'instant, ça ne me parle guère. J'aurais envie de créer une scission, ici. Hop. Faut pas non plus que je coupe... faut pas non plus trop que je coupe comme un cochon. Ça, par exemple, c'est faisable. C'est faisable, ça coupe pas le circuit. Où est-ce qu'il est, mon monorail? Il est là. Ah, il envoie plusieurs trucs en même temps. What? Ah, il m'a abandonné un poteau. Ah non, 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 c'est pas possible. Faut pas abandonner un potal. Excusez-moi. C'est pas possible. D'accord, il génère plusieurs... plusieurs trucs couilles pour me récupérer. Ok, ça marche. Donc je peux lancer plusieurs récupérations en même temps de mon réseau. Bah, je vais récupérer ce morceau-là. Mais il peut même pas me le récupérer. Ouais, c'est super, mais du coup, il peut pas. Ah. Ok, ici, ça a été récupéré. Ça, on peut pas couper ici. Et pourquoi ça... Il est con, il le fait exprès. Est-ce que tu veux bien me récupérer celui-là?
C'est compliqué ce que je demande. Il en envoie vraiment plusieurs? Ah oui, il en envoie deux. Je suis pas sûr de pouvoir avoir cette balise. Ouais, j'ai pas ce poteau là. Si je veux ce poteau, faut que je recrée. Probablement que je recrée une balise ici. Et que je fasse ramasser cette balise. On va voir. Ah non, ça prend pas le poteau. Ok, bah écoute. Pas 50 solus, hein. On va ici. On crée ça. Tu me crées un autre poteau. Comme ça, parfait. Très bien. Hop, tu viens. Et tu me ramasses tout ça, je suis d'accord. Voilà. Ensuite, on revient sur la partie ici. J'aimerais que tu me ramasses celui-là. Puis ensuite, celui-là. Voir celui-là, normalement ça ramasse les deux là. Pas de zèle, normalement c'est bon. Hein? Ah, ça a ramassé que le poteau lui-même? Ah, ça veut dire que ça ramasserait pas les autres poteaux? On regardera ça après. Ramasse-moi celui-là. Ok, oui, ça ramasse le poteau et pas les autres poteaux. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je me fais avoir. Ok. Regarde si j'ai pas laissé traîner un mât là. Un mât de navire. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon là-dessus. Et dans l'océan? Ah bah oui, forcément il laisse les paquets de sable. Ramasse ça. Ramasse ça. Ah, par contre les fenêtres de tuto sont un peu grosses hein. C'est un peu gros comme truc. S'il suit l'ordre intelligent ou... Parce que depuis tout à l'heure je le fais au compte-goutte, mais ça se trouve que il s'arrête pas au premier... Oui c'est ça, ok, dans l'ordre de commande. Non, en fait je m'embête pour rien depuis tout à l'heure, formidable. Donc un par un les pylônes, ok. Voilà, techniquement c'est bon, on a tout déconstruit, on est bon. En vrai, on pourrait plier les gaules. Hein. Ou passer à 50 degrés. Vraiment pour dire je pousse réchauffement climatique à fond. Ça vous dit pas vite fait, on met un petit coup de briquet là. Du coup de briquet là. Ah non, parce que ça fait sauter les rochers aussi. Ah, intéressant. C'est pas grave. T'inquiétez pas. On va faire des trucs. Ah non. Le jeu il veut plus. Il m'a dit maintenant c'est trop tard, tu plies les gaules, tu t'en vas. Ok. C'est ainsi que nous partions.
T'as fait des jolies cartes quand même à la fin. Stylé. Je vous laisse apprécier. Vous voyez bien les requins, mais alors les martins pêcheurs, ils étaient gigantesques. Des tortues, des crabes. Ça rend bien. Hein. Ok. Bon, bon. Vu, j'ai envie de dire. Ah, par contre, les gars, le blanc, faut arrêter. Hein. Ça vraiment, ça détruit les yeux. Hein. Faut arrêter de faire ça. Plou, 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 plou. Voilà. Eh bien, la prochaine carte sera polaire. Voilà. Avec des nonoches, on voit, il y a déjà des nonoches polaires là. Ça, c'est un nonoche polaire. C'est le noche polaire, le caribou, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, c'était Knarfunk sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine.